Le dimanche 13 juin, quand Émile, courageusement, essaya à trois reprises d'arracher la molaire de Lina et quand il peignit la petite Ida en bleu. Il fallait traire les vaches tous les jours, le dimanche comme en semaine. Ce jour-là, le réveil de la cuisine sonna vers les 5 heures. Lina sortit du lit, mais elle tenait à peine sur ses jambes, en proie à une violente rage de dents. Elle jeta un coup d'œil à la glace au-dessus de la commode et poussa un cri strident. « Mon Dieu, quelle tête ! » La joue droite était enflée comme une brioche. Elle était horrible à voir. Elle fondit en larmes. Lina n'avait vraiment pas de chance, car c'était aujourd'hui que presque tous les villageois étaient invités à Catholt à prendre le café après la messe. « Je ne peux tout de même pas me montrer aux gens si je suis pas pareille des deux côtés !» sanglota Lina en allant à l'étable. Mais elle n'eut pas à souffrir bien longtemps de son visage asymétrique. Soudain, comme elle était assise sur le tabouret en train de traire, une guêpe lui piqua la joue gauche. Elle prit rapidement le même aspect que la joue droite. Les deux côtés de son visage étaient maintenant pareils. Lina avait obtenu ce qu'elle voulait, et pourtant, elle se mit à pleurer de plus belle. Quand elle retourna dans la cuisine, elle trouva tout le monde attablé devant le petit déjeuner. Je te promets qu'ils ouvrirent grand les yeux en voyant ce visage gonflé, aux yeux rougis, qui était celui de Lina. La pauvre, il y avait vraiment de quoi pleurer. Mais Émile, lui, éclata de rire, ce qui n'était pas très gentil de sa part. Il s'apprêtait justement à boire son verre de lait lorsque Lina apparut sur le seuil. Pris d'un fou rire irrésistible, il éclaboussa le beau gilet du dimanche de son père qui était assis de l'autre côté de la table. Même Alfred laissa échapper un petit ricanement. Oh oui, la pauvre Lina était bien à plaindre. La mère d'Émile regarda sévèrement son fils et Alfred en disant que ça n'avait rien de drôle. Mais en essuyant le gilet de son mari, elle ne put s'empêcher de tourner les yeux vers Lina et visiblement, elle comprit mieux leur réaction, tout en ayant de la peine pour Lina, bien entendu. « Oh, ma pauvre enfant, dit-elle, tu as vraiment une drôle de tête. Tu ne peux pas te montrer comme ça. Toi, Émile, tu iras tout à l'heure demander à la vieille Maya si elle peut remplacer Lina pour servir le café. » Le café, après la messe du dimanche, était un moment très apprécié par les gens de Lönneberga. La mère d'Émile avait envoyé une invitation aux différentes fermes, ce qui fut accueilli avec beaucoup de joie. Voici ce qui était écrit. « Chers messieurs, dames, venez prendre le café chez nous après la messe dimanche prochain. Alma et Anton Svensson, Catholt Lönneberga, vous en prie sincèrement. » Pour les parents d'Émile, c'était l'heure de se rendre à l'église. Il fallait bien qu'ils assistent à la messe pour qu'il soit question de prendre le café après. Émile, en petit garçon obéissant, se rendit chez la vieille Maya, comme lui avait demandé sa mère. La matinée était belle et il sifflait joyeusement en suivant le sentier qui menait à la petite ferme, une maison très modeste située en pleine forêt. Si tu as déjà eu, comme Émile, l'occasion de te promener un dimanche matin dans ce genre de forêt sous le soleil de juin, tu connais forcément tout ça. Le chant du coucou, le sifflement du merle noir, la douceur du sentier recouvert d'aiguilles de pin sous tes pieds nus, et la chaleur du soleil sur ta nuque, les fleurs blanches des fraises sauvages dans les clairières et l'odeur des résines de sapin. Alors tu comprends d'autant mieux pourquoi Émile ne se pressait pas. Il finit cependant par atteindre la petite maison grise et mal entretenue de la vieille Maya. Elle aurait pu passer inaperçue parmi les arbres. La vieille Maya était en train de lire le journal de Småland. Elle était tombée sur une nouvelle qui la réjouissait et l'effrayait à la fois. « Oh, le tue-fils est arrivé à Jönköping !» annonça-t-elle avant même de saluer Émile.
elle lui fourra le journal sous le nez pour lui permettre de vérifier lui-même. Et en effet, il était écrit que deux habitants de cette ville souffraient du typhus. La vieille Maya hocha la tête avec satisfaction. « Le typhus est une maladie horrible !» déclara-t-elle. « Il ne va pas tarder à venir nous retrouver aussi ici, à Lönneberga, crois-moi !»« Pourquoi donc ? Comment il va faire pour se déplacer jusqu'ici ?» demanda Émile. « À l'heure qu'il est, les graines de typhus volent comme les graines de pissenlit au-dessus de toute notre région. Des graines de typhus par kilo. Que Dieu vienne en aide à celui sur qui elles tombent. Elle se manifeste comment, cette maladie ? Un peu comme la peste ? Demanda Émile. La vieille Maya, qui suivait de près tout ce qui touchait à la maladie et aux épidémies, lui avait déjà parlé de la peste. Elle lui avait expliqué que cette maladie terrifiante avait autrefois emporté une grande partie de la population de la région de Småland. Émile n'eut aucun mal à s'imaginer les conséquences si le typhus était aussi terrible. La vieille Maya réfléchit un instant. Oui, je pense que c'est à peu près comme la peste, dit-elle en secouant la tête de contentement. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais si je me souviens bien, les malades ont d'abord le visage tout bleu, puis ils meurent. Oh oui, le typhus. C'est une maladie affreuse, oh oui. En apprenant que Lina souffrait d'une rage de dents et que ses joues étaient trop enflées pour qu'elle puisse servir le café, la vieille Maya promit de se rendre à Katholt le plus vite possible pour donner un coup de main. De retour à la maison, Émile trouva Lina assise sur les marches de l'escalier de la cuisine, gémissant de douleur. Alfred et la petite Ida ne savaient plus quoi faire pour l'aider. « Finalement, tu ferais peut-être mieux d'aller voir Pelle le forgeron à Lönneberga, » proposa Alfred. C'était lui qui, en cas de besoin, arrachait les dents gâtées des villageois à l'aide de ses grosses pinces. « Il prend combien pour enlever une dent ?» demanda Lina entre deux sanglots. « Une demi-couronne l'heure. » répondit Alfred. En apprenant que ça pouvait être si long et si cher de se faire enlever une dent, Lina eut la chair de poule. Émile réfléchit. « Je crois pouvoir te l'enlever plus rapidement et pour moins cher. J'ai une idée. » Lina, Alfred et la petite Ida l'écoutèrent attentivement. « J'aurais seulement besoin de deux choses. D'un fil long et résistant, et de mon cheval Lucas. D'abord, j'accrocherai un bout du fil à ta dent. Ensuite, l'autre à ma ceinture. Puis, je partirai au galop sur Lucas et plouf, ta dent sautera. Plouf, merci bien, fit Lina indignée. Tu galoperas peut-être, mais sans moi. Comme sa dent se mit à lui faire encore plus mal, Lina changea vite d'avis. Elle poussa un gros soupir avant de dire « Après tout, on n'a qu'à essayer. Que Dieu ait pitié de moi, malheureuse que je suis !» Et elle alla chercher le fil. Émile mit son plan à exécution. Il amena Lucas devant l'escalier du service et fixa les deux bouts du fil comme il l'avait annoncé. La pauvre Lina, attachée derrière la queue du cheval, n'arrêtait pas de pleurnicher. La petite Ida frissonnait, tandis qu'Alfred, satisfait, constata « Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre le plof !» Émile fit partir son cheval. « Le plof, il va plus tarder !» renchérit la petite Ida. Mais il n'y eut pas de plof, car Lina partit elle aussi.
saisie soudain d'une peur incontrôlable de ce plof qui devait se produire dès que le fil serait suffisamment tendu, elle se mit à galoper aussi vite que Lucas. Émile avait beau lui crier de ne pas bouger, Lina courait comme une folle, si bien que le fil ne se tendit pas et que le plof ne se produisit pas. Mais Émile avait décidé d'aider Lina à se débarrasser de sa dent, et il n'avait pas l'intention d'abandonner aussi facilement. Il dirigea le cheval vers la barrière la plus proche et la franchit d'un bond. Lina, complètement effarée, le suivit et passa l'obstacle avec la même aisance. La petite Ida, qui observait cette scène incroyable, n'oublierait jamais comment Lina, les joues enflées, les yeux hagards et le fil pendant entre ses lèvres, s'envola par-dessus la barrière tout en hurlant. « Arrête ! Arrête ! Je veux pas de plof !» Plus tard, Lina eut honte d'avoir fait échouer le plan d'Émile. Mais c'était trop tard. Elle était de nouveau assise sur les marches, l'air abattu, la joue aussi douloureuse qu'avant. Cependant, Émile n'avait pas l'intention de se laisser décourager. « Il va falloir que je trouve un autre moyen, » dit-il. « D'accord, mais un moyen moins rapide alors. Cette maudite dent, elle n'a pas besoin de s'en aller avec un plof. Tu pourrais bien la faire partir un peu plus lentement. » Après un moment de réflexion, Émile sut comment s'y prendre. Il demanda à Lina de s'asseoir par terre, le dos contre le gros poirier. Alfred et Ida regardèrent Émile l'attacher solidement à l'arbre avec une grosse corde. « En tout cas, cette fois-ci, tu pourras pas te mettre à courir, » dit-il. Il attrapa ensuite le fil, toujours accroché à la dent de Lina, et le relia à la meule qu'Alfred utilisait pour aiguiser sa faux, et son père pour sa hache et ses couteaux. Émile enroula le fil autour de la manivelle et se mit à tourner. « Comme ça, il n'y aura pas de plof, » dit-il. « Il y aura seulement un drrr tout lent, comme tu l'as demandé. » La petite Ida frissonnait. Lina gémissait pendant qu'Émile actionnait la manivelle. Le fil qui pendait par terre se raccourcissait et commençait à se tendre. Plus il se tendait, plus Lina s'affolait. Mais elle n'avait aucune possibilité de s'échapper. « Le drrr va pas tarder !» commenta la petite Ida. « Stop !» hurla Lina. « Je veux plus !» Rapide comme l'éclair, elle saisit une paire de ciseaux dans la poche de son tablier et coupa le fil. De nouveau, elle fut toute confuse, mais également triste, car elle tenait absolument à se faire enlever cette dent. La situation était plutôt embarrassante. Émile, Alfred et la petite Ida n'étaient pas contents du tout. « Tu as qu'à la garder, ta vieille dent !» déclara Émile. « Je peux plus rien faire pour toi !» Lina jura ses grands dieux qu'elle allait suivre ses conseils, si seulement il voulait bien essayer encore une fois. « Il va falloir qu'elle tombe, même si ça doit me coûter la vie. Oh, retourne me chercher du fil !» Émile accepta de faire une dernière tentative. Et Alfred et la petite Ida se réjouirent à l'idée d'assister à un nouvel essai. « Je crois qu'il vaut mieux que ça aille vite, malgré tout, » dit Émile. « Même si ça te fait peur, je vais m'arranger pour t'empêcher de tout gâcher. » Astucieux comme il était, il eut vite fait de trouver une autre solution. « On va te faire monter sur le toit de l'étable. Et de là, tu sauteras dans le tas de foin, juste au-dessous. T'auras pas le temps de faire la moitié du chemin, que ta dent, elle sera partie. Plof !»« Plof !» répéta la petite Ida en frissonnant. Malgré sa promesse solennelle, Lina lutta de toutes ses forces pour ne pas monter sur le toit. « Il n'y a que toi, Émile, pour avoir une idée aussi inhumaine. »
marmonna-t-elle toujours assise sur les marches de l'escalier de la cuisine. Mais la dent n'arrêtait pas de la faire souffrir et elle finit par se lever en poussant un gros soupir. « On y va !» décida-t-elle. « Même s'il y va de ma vie !» Alfred installa rapidement une échelle contre le pignon de l'étable. Émile y grimpa en tenant fermement le fil dans sa main. Lina pleurnichait, tout en le suivant comme un chien en laisse. Émile avait apporté un marteau et un gros clou qu'il planta au sommet du toit. Pour finir, il y attacha le fil de Lina. « Allez, saute !» ordonna-t-il. La malheureuse Lina, assise à califourchon sur le toit, regardait le vide en dessous d'elle, tout en poussant des cris déchirants. Elle voyait les visages d'Alfred et de la petite Ida qui étaient levés vers elle. Ils s'attendaient à la voir descendre du ciel comme une comète pour atterrir dans le tas de foin. Ses cris se firent de plus en plus désespérés. « Je pourrai jamais, c'est sûr et certain, oh non, oh, j'oserai pas. » « Oh, moi ça m'est bien égal, si tu préfères garder ta vieille dent !» lança Émile. Lina laissa échapper un tel hurlement qu'il s'entendit dans tout Lönneberga. Puis elle se mit debout sur ses jambes chancelantes et resta ensuite bien droite, en haut du pignon. Elle vacillait comme un pin dans la tempête. La petite Ida se cacha les yeux derrière ses mains. Ouï, 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 sanglota Lina. Ouï, 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 ouï. Sauter du toit d'une étable sans avoir de problème de dents, ça doit déjà être quelque chose de terrible. Mais savoir qu'en plus il y aurait un plof effrayant à mi-chemin, voilà ce qui était franchement insupportable. « Oh, saute, Lina !» cria Alfred. « Mais saute donc !» Lina gémit et ferma les yeux. « Oh, je vais te donner un coup de main !» dit Émile, toujours prêt à rendre service. Il frôla le dos de Lina avec son doigt et il n'en fallut pas plus pour qu'elle saute du toit en poussant un cri strident. Il y eut un petit plof. Mais il ne venait pas de la dent de Lina. Il venait du clou qui s'était détaché du toit. Lina était à présent couchée sur le tas de foin. Sa dent était toujours en place et à l'autre bout du fil, le clou pendait. Elle était en rage contre Émile. « Oh, pour faire des bêtises et des idioties, tu as pas ton pareil !» tempêta-t-elle. « Mais t'es même pas fichu d'enlever une dent !» La colère de Lina eut cependant un effet positif. Sans parlementer davantage, elle alla tout droit chez Pell, le forgeron, qui prit ses pinces imposantes et arracha la dent. Toujours furieuse, elle la lança ensuite sur le tas d'ordures de Pell et rentra chez elle. Il ne faut surtout pas croire qu'Émile était resté inactif pendant ce temps-là. Malheureusement, il ne pouvait pas compter sur la compagnie d'Alfred qui était allongé dans l'herbe sous le poirier en train de faire un petit somme. Il décida donc de jouer avec la petite Ida dans la chambre en attendant le retour de l'église de ses parents et le début des festivités autour du café. Bon, on n'a qu'à jouer tous les deux. Je vais faire... le docteur de Marianne Lund. Et toi, le petit enfant malade que je dois guérir. Ida, immédiatement d'accord avec son frère, se déshabilla et se mit au lit. Émile examina sa gorge et ausculta sa poitrine, comme il avait vu le docteur le faire. « Qu'est-ce que j'ai comme maladie ?» se renseigna la petite Ida. Il ne fallut à Émile qu'un instant de réflexion pour savoir de quoi souffrait sa sœur. « Tu as le typhus !» annonça-t-il. « C'est une maladie horrible !»
Il se souvint de ce que lui avait dit la vieille Maya. Les malades ont d'abord le visage tout bleu. Émile était très pointilleux, du moins pour certaines choses, et il se demanda comment faire pour donner à Ida la couleur exacte due à ce mal redoutable. Sur la commode de sa mère, il aperçut l'encrier dont elle se servait pour écrire ses lettres et pour noter les bêtises de son fils dans son cahier. À côté se trouvait le brouillon de sa dernière invitation. Émile lut « Vous en prie sincèrement ». Et il admira sa mère qui savait s'exprimer aussi joliment. Comme ce brouillon n'avait plus d'utilité, Émile le froissa et en fit une boule qu'il laissa tremper un moment dans l'encrier. Une fois le papier suffisamment imprégné d'encre, il en sortit la boule et s'approcha de sa sœur. « Maintenant, Ida, je vais te montrer ce que c'est que le tufis. » À cette idée, Ida pouffa de rire. « Ferme bien tes yeux pour les protéger !» recommanda Émile avant d'appliquer avec soin la belle couleur bleue sur le visage de la petite Ida. Comme il était plein d'attention pour sa sœur, il évita soigneusement le contour de ses yeux. Il préféra conserver la couleur naturelle. Les deux taches claires, qui contrastaient dans la figure bleue foncée d'Ida, accentuèrent son aspect maladif. Émile lui-même prit peur. Ida ressemblait à l'un des petits singes nocturnes qu'il avait vu chez le curé sur une photo de la vie des animaux. « Oh là là !» fit Émile. « La vieille Maya avait raison. Le tufis, c'est une maladie horrible !» À ce moment-là, Maya arrivait à pied de sa petite maison dans la forêt. À l'entrée de la ferme, elle croisa Lina qui rentrait de sa visite chez Pelle le forgeron. « Alors, ça va ?» demanda la vieille Maya avec curiosité. « Elle est encore douloureuse, ta dent ?»« J'en sais rien, » répondit Lina. « Comment ça, tu n'en sais rien ?»« J'en sais rien, parce qu'à l'heure qu'il est, cette saleté de dent, elle est sur le tas d'ordures de Pelle le forgeron. » Oh, « J'espère bien qu'elle est encore douloureuse. J'espère qu'elle a mal à en hurler. » Lina était heureuse. Sa joue avait bien dégonflé depuis tout à l'heure. Et elle alla retrouver Alfred sous le poirier pour lui montrer le trou qu'avait laissé la dent dans sa bouche. La vieille Maya entra dans la cuisine pour commencer à préparer le café. De la chambre attenante, lui parvinrent les voix des enfants et comme elle adorait la petite Ida, elle alla vite lui dire bonjour avant de se mettre au travail. Quand Maya vit que sa petite chérie était couchée et qu'elle découvrit sa tête toute bleue sur l'oreiller blanc, elle se mit à crier « Oh, bonté divine !»« C'est le tufis !» expliqua Émile en souriant. De la route montait le bruit des attelages. C'étaient les parents d'Émile et les invités, le curé en tête, qui revenaient de la messe. Quand ils eurent tous dételé leurs chevaux devant l'écurie, ils se dirigèrent vers la maison, bien contents de pouvoir enfin prendre le café. Mais la vieille Maya les attendait en haut de l'escalier et elle leur cria d'une voix perçante « N'approchez pas ! Repartez immédiatement ! Le tufis est arrivé à Catholt !» Ils s'arrêtèrent net, surpris et bouleversés. Mais la mère d'Émile s'exclama « Qu'est-ce que tu racontes ? Qui a attrapé le typhus ?»« C'est moi !» dit la petite Ida, un grand sourire aux lèvres. En chemise de nuit, le visage tout bleu, avec ses deux grosses taches blanches, elle était apparue sur le seuil de la maison, derrière la vieille Maya. Tout le monde se mit à rire, sauf le père d'Émile. « Oh, où est Émile ?» demanda-t-il en appuyant avec force sur chaque mot. Mais Émile avait disparu, et il resta introuvable tout le temps que les villageois prirent le café. Le curé se rendit dans la cuisine pour consoler la vieille Maya, qui était à la fois vexée et triste d'apprendre qu'il ne s'agissait pas d'un vrai tufis. Alors il se produisit une chose étonnante.
Après avoir remonté le moral de la vieille femme, le curé aperçut un paquet de lettres qu'Émile avait achetées à une vente aux enchères et qui traînait maintenant sur une chaise. Il poussa un cri de stupeur et prit dans sa main une lettre envoyée d'Amérique par un certain Adrien. « Oh, ça alors, c'est justement le timbre que je cherche depuis tant d'années !» Le curé était collectionneur de timbres et il connaissait la valeur des pièces rares. Sans hésiter, il offrit 40 couronnes pour celui de la lettre d'Adrien. Le père d'Émile en eut le souffle coupé. Payer une somme pareille pour un petit bout de papier de rien du tout. Eh oui, c'était la veine habituelle d'Émile. Oh, avec 40 couronnes, je pourrais m'acheter une demi-vache, s'écria-t-il outré. Émile, qui s'était caché dans le coffre à bois, ne put y tenir plus longtemps en entendant ce qui se passait à l'extérieur. Avide d'en savoir davantage, il souleva le couvercle et laissa apparaître sa tête. « Si tu t'achetais une demi-vache, est-ce que tu prendrais le devant qui beugle ou bien le derrière qui remue la queue ?»« File dans l'atelier de menuiserie, Émile !»« Et tout de suite !» ordonna son père. Émile y alla, bien sûr, mais seulement après avoir reçu 4 beaux billets de 10 couronnes des mains du curé. Le lendemain, il partit à cheval chez les parents d'Adrien pour leur rendre la lettre de leur fils et pour partager l'argent avec eux. Puis, avec leur bénédiction, il retourna chez lui, à Catholte, prêt à inventer de nouvelles bêtises. « J'irai bien jeter un coup d'œil dans d'autres ventes aux enchères » annonça-t-il à son retour. « Qu'en penses-tu, papa ?» Son père marmonna quelque chose en guise de réponse. Mais personne ne comprit quoi. Comme je l'ai déjà dit, Émile a bien passé toute la soirée du dimanche dans l'atelier de menuiserie. Il venait juste de terminer son 130e bonhomme en bois quand il s'est souvenu que c'était le jour du Seigneur et que l'on ne doit pas se servir d'un couteau ce jour-là. C'est un péché. On n'a certainement pas le droit d'arracher des dents non plus. Ni de peindre quelqu'un en bleu. Émile a rangé le bonhomme sur l'étagère avec les autres et il s'est assis sur une grosse bûche devant la fenêtre. Pendant qu'il regardait le crépuscule tomber, il a repensé à toutes les vilaines choses qu'il avait commises. Finalement, il a joint ses mains et il a dit « Cher Dieu, faites que j'arrête de faire tant de bêtises. Émile Svensson, Catholte, Lönneberga, vous en prie sincèrement. »